Bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue à notre troisième épisode de lecture ensemble, où est-ce qu'on va continuer d'apprendre sur les perspectives historiques du Québec et comment est-ce qu'on peut positionner les luttes contemporaines dans leur contexte historique. Alors, on est maintenant au troisième texte de perspective, une période de polarisation économique et politique. J'aimerais aussi dire que, en passant, j'ai réussi à trouver une manière de voir mon chat en temps réel. Donc maintenant, si les gens veulent rejoindre mon espace et mon espace, je veux dire un channel, mais je ne connais pas le mot français, mon canal, bref, et me poser des questions en temps réel, bien, je vais pouvoir y répondre en temps réel. Tandis que hier, quand on me dit bonjour, bien, il a fallu que je change d'onglet pour aller voir, tu sais, si quelqu'un m'avait écrit, ce qui était effectivement arrivé, mais je n'étais pas capable de le voir en temps réel. Mais aujourd'hui, c'est différent. Alors, on s'améliore tranquillement, pas vite. Alors, sans plus tarder, commençons la lecture ensemble et continuons de l'avant dans notre éducation sur les luttes de classe. Alors, une période de polarisation économique et politique. L'économie canadienne connaît un ralentissement économique lors de la crise de 2008. Une lente reprise s'amorce à partir de 2011 et la croissance du PIB double en 2017 pour atteindre 3%. C'est la plus forte croissance des pays du G7. Entre 2009 et 2018, le taux de chômage diminue de moitié et le taux de création d'emplois à temps plein revient à son taux d'avant la crise. En 2018, le PIB se stabilise à près de 2% et le PIB de 2019 devrait atteindre de 1,5%, près du taux de croissance de 2016. Au Québec, la situation est comparable. La Banque royale du Canada affirme même que l'économie tourne à plein régime. Dans ses perspectives de 2018, cela est particulièrement vrai dans les secteurs de la construction. Puis, c'est toujours intéressant de se rappeler que le secteur de la construction dans le PIB du Québec est relativement grand. Ça prend relativement beaucoup d'espace dans notre PIB. Alors, si cette industrie-là va bien, quand l'appétit va, tout va, comme dirait l'autre. La situation favorable n'empêche toutefois pas les patrons de l'industrie et le gouvernement de tenir une ligne dure devant les revendications des travailleurs et travailleuses de ce secteur. Le gouvernement a d'ailleurs voté une loi spéciale pour mettre fin à la grève des 175 000 employés du milieu de la construction en 2017. Ben, c'est ça la job du gouvernement, c'est de casser le mouvement de la classe ouvrière pour sauvegarder les intérêts des capitalistes qui contrôlent le gouvernement. Le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a aussi constitué l'un des moteurs de la croissance de l'emploi en 2007 et 2014, entre guillemets. Les privatisations et les coupures de 4 milliards du gouvernement Couillard ont toutefois causé une baisse de l'embauche dans le secteur public et entraîné une pénurie de personnel qui a des répercussions directes sur les conditions de travail et la qualité des services. Ce qui est relativement ironique parce qu'aujourd'hui, en temps de COVID, on est en train de payer le grand prix d'avoir ces politiques-là dans le passé, de coupures, de pénuries, de ne pas vouloir engager les gens. Donc, ce n'est pas juste une crise que, oh mon Dieu, on n'aurait rien pu faire, il n'y a personne qui savait que ça allait arriver, mais en fait, avec cette austérité sans relâche dans ces années-là, ben, on se préparait à justement être mal préparé pour une crise de n'importe quel type. Là, on a une crise au niveau de la santé publique, mais que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, un désastre, peu importe. Ça fait en sorte qu'on n'est pas prêt. Puis spécifiquement, si j'avais à prendre un exemple en particulier, je pourrais parler de la moyenne de lits par 100 000 habitants. Je pense qu'on avait un taux, je me rappelle plus, 19, 20, 25, 30. Puis ce taux-là n'arrête pas de baisser. Donc, quand la COVID est arrivée, dans les pays dans le monde qui avaient les moyennes de lits plus basse en moyenne, ben, ce qui se passe, c'est que le moment de crise où est-ce que tu es dans le rouge dans ton secteur public de santé arrive beaucoup plus rapidement parce que tu n'es pas préparé, tu n'as aucune marge de manœuvre dans le fond, t'sais, parce que tu as fait tellement de coupures. Continuons. Une économie qui ne profite qu'aux riches. Ces deux exemples illustrent bien que la bourgeoisie ne veut rien céder de sa richesse. Puis, ce qu'on veut dire par là, c'est que même dans les situations où est-ce que l'économie va super bien, puis c'est comme le plein emploi, puis il y a une croissance régulière, puis le plein régime. Ben, les riches sont toujours incapables de dire, bon, ben, OK, dans cette situation-là, on va augmenter, par exemple, le salaire des infirmières. Non, 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 on continue quand même les coupures.
Pour moi, ça fait du sens parce que c'est dans cette situation-là que la bourgeoisie a le plus d'espace de jeu. Comme ce que je veux dire, c'est que dans une situation de crise économique, une grève générale peut faire fermer en théorie une compagnie privée. Parce que la compagnie privée est sur le bord du gouffre, est dans une situation de vulnérabilité à cause de la situation économique qui va pas bien. Mais tu sais, quand l'économie va à plein régime, ben les compagnies vont bien, ils peuvent absorber certains pourcentages de pertes puis continuer de fonctionner comme si de rien n'était. Ils peuvent perdre 8, 10, 15 % de profit pendant une couple de mois en ligne. Alors les mouvements de grève deviennent moins une menace au point de vue des boss. Puis en même temps, pour la classe des travailleurs, ben en théorie, quand l'économie va bien, ben, tu as cette illusion que la société au grand complet va bien. Donc, la mobilisation devient un peu plus difficile. Les gens ont de la misère à entendre un message quand les choses vont bien. Puis, historiquement, ce qui se passe, c'est que ben, quand les choses vont bien, les travailleurs et travailleuses font des demandes au boss parce qu'il y a un certain sentiment d'injustice quand tu n'es pas capable d'avoir ta propre part du gâteau. Mais au Québec, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. Depuis les derniers 20 ans, puis une partie de la réponse pourquoi c'est le cas, moi je pense que c'est parce que ben on vit des vagues d'austérité sans arrêt. Ça fait 15, 20, 25 ans que c'est seulement de l'austérité. Alors, quand on pense est-ce que les choses vont bien, ben, en réalité, c'est jamais arrivé. Ça, bref, on est pris dans ce pattern-là. Continuons. Même quand l'économie se porte bien, les inégalités économiques entre les classes sociales continuent de se creuser. Bon, c'est un peu ça que je voulais dire. L'Association canadienne de la paix révèle que 34 % des employés vivent d'un chèque de paie à l'autre. Cela confirme l'étude récente d'Angus Reid soutenant que 51 % des 35 à 54 ans éprouvent des difficultés financières importantes. L'endettement record des ménages en 2018 et la hausse des prix immobiliers pèsent sur l'économie canadienne. Cette situation fait dire au Bureau des règlements internationaux que le Canada, la Chine et Hong Kong sont les pays étant les plus à risque de vivre une crise bancaire, entre guillemets. Cette croissance des inégalités est à l'origine d'une polarisation politique qui se manifeste de différentes manières depuis les dernières années. Élection provinciale 2018, une polarisation politique historique. Le paysage politique québécois s'est brutalement polarisé lors des élections du 1er octobre 2018. Les libéraux et les péquistes, qui se sont alternés le pouvoir depuis plus de 40 ans, ont connu les pires résultats de leur histoire. La CAQ, un parti de droite affairiste et identitaire, a remporté une majorité absolue des sièges avec 37 % des votes. Ce fort appui de surface cache toutefois une situation très volatile. De l'autre côté du spectre politique, la formation de gauche Québec solidaire a connu un formidable essor, passant de 3 à 10 députés. Ce parti constitue la seule opposition parlementaire sur laquelle pourront compter les mouvements de lutte pour répliquer aux attaques néolibérales à venir. Désaveu des libéraux. Comme dans tous les pays du G7, les partis de la bourgeoisie sont en crise. Le parti traditionnel du grand capital au Québec, le Parti libéral du Québec, PLC, PLQ, pardon, a souffert d'une saignée de votes vers la coalition Avenir Québec et Québec solidaire. À la tête du gouvernement depuis 2003, outre un court interlude péquiste de 2012 à 2014, le PLQ a récolté son plus bas pourcentage de votes depuis la fondation du Canada en 1867. Ces réformes néolibérales ont permis d'adapter la législation aux exigences de la concurrence capitaliste internationale. Les libéraux ont également subventionné à coups de milliards de dollars l'industrie privée de l'aéronautique, de l'éolien et des mines. Le gouvernement a dépensé cet argent au moment même où il coupait 4 milliards de dollars dans les services publics. Les années d'austérité libérale ont permis de dégager le plus important surplus budgétaire de toutes les provinces canadiennes en 2017, soit 4,5 milliards de dollars. Ce surplus a essentiellement servi à réduire la dette publique. Il y a quand même une histoire avec la dette publique parce que, en théorie, parce que j'ai fait j'aime pas trop s'en parler, mais j'ai fait un bac en sciences politiques. J'ai fait plusieurs cours sur l'administration publique, l'histoire des politiques publiques du gouvernement fédéral, blablabla, bla, 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 les genres de trucs que tu fais quand tu fais un bac en sciences politiques. Puis on a parlé du déficit. Puis une des choses que j'ai appris à propos du déficit, c'est que c'est pas nécessairement obligatoire de le rembourser pour le faire diminuer. Puis ça, c'est à cause de la place de l'inflation dans les finances publiques, dans le sens que
Admettons que tu as, je vais dire, 1 million de dollars, juste pour garder ça très, très simple, de dette publique. Ben, ce qui arrive, c'est que si tu as 2,5 % d'inflation, puis que tu gardes avec le paiement des intérêts ta dette à 1 million de dollars à chaque année, donc tu ne la repaies pas du tout, ben, à chaque année d'inflation de 2,5 %, en réalité, la valeur de ta dette d'un million de dollars baisse de 2,5 % comparé à ton PIB qui, lui, devrait grandir plus rapidement que ta dette. Donc, j'ai peut-être mal expliqué ça, mais c'est l'idée que 1 million de dollars, si tu le gardes à 1 million de dollars, dans 50 ans, ça vaut vraiment presque rien comparé à maintenant. C'est un peu cette idée-là générale. Donc, les parties qui veulent faire des paiements agressifs de la dette à l'aide de coupures dans nos services sociaux, même dans une perspective libérale, donc même à l'époque où est-ce que je n'étais pas socialiste, ben, j'entrevoyais des limitations puis des grands problèmes avec ces politiques-là. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle en anglais des opportunity costs, des coûts d'opportunité à faire des coupures en santé, dans le sens que ben, cet argent-là que tu mets en éducation, en santé, en transport, bref, dans tous les secteurs publics, ben, ça a une valeur ajoutée à ton économie. Si tu mets pas assez d'argent en santé, ben, tu augmentes, par exemple, les cas chroniques de schizophrénie, pour ne donner qu'un seul exemple. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que quand tu souffres d'une crise psychotique, ben, tu as deux manières de dealer avec ça. Comme tu as 15 à 25 ans, tu as ta première épisode psychotique, une fissure avec la réalité, puis toi, tu es dans cette expérience-là. Ben, si tu vas en thérapie, tu te fais suivre par un psychiatre, tu es médicamenté, tu vois une infirmière psychiatrique aussi pour t'aider dans ta vie de tous les jours, puis que tu es suivi à chaque semaine pendant les premiers, genre, 6, 8, 12 mois, ben, tu as une conclusion à ta première crise psychotique. Puis, d'après les statistiques, dans le temps que j'étudiais ça, puis que je lisais sur le sujet, ben, tu avais 80 % de chances de ne plus avoir une deuxième expérience de psychotisme dans ta vie. Donc, tu étais relativement, genre, guéri, entre guillemets. Mais c'est le contraire. Pour ceux qui ont une première crise psychotique, qui ne sont pas suivis, qui sont laissés pour seuls, qui sont laissés chez eux, qui ne sont pas médicamentés, qui sont dans des, qui ont pas de thérapie pour, tu sais, se bâtir des ressources personnelles pour dealer avec le stress, pour faire face à la vie, à leur situation familiale, à leur situation professionnelle, etc., etc., etc. Ben, si tu as une deuxième puis une troisième crise psychotique à l'intérieur des 12 premiers mois après ta première, ben, au lieu d'avoir le 80 % que j'ai mentionné plus tôt que tu sois guéri puis que tu n'en as plus jamais, ben, c'est le contraire. Les chances sont que, je pense que le pourcentage est 64 à 70 % de mémoire, que tu deviennes un patient chronique, parfois schizophrénique complètement, puis avec la dégénérescence qu'on associe aux personnes qui souffrent de ces désordres-là. Donc, c'est important de souligner le rôle de la prévention dans les finances publiques de cet angle-là. Que oui, ça a l'air qu'on met beaucoup d'argent, par exemple, dans la prévention, mais c'est le cas souvent que cet argent-là va en fait sauver de l'argent à l'État à long terme. Puis l'autre exemple qu'on peut aussi dire, c'est le taux de diplomation, de diplôme d'études secondaires qu'on a au Québec. Dans le sens qu'on a un taux de décrochage vraiment, vraiment élevé au secondaire, mais je me rappelle que l'ancien premier ministre, je pense que c'était Couillard ou peu importe, disait que c'était pas trop pire parce qu'au final, les gens allaient à l'éducation des adultes, donc une certaine proportion. Donc la proportion de notre population qui avait un diplôme secondaire était relativement autant élevée que dans le reste des provinces canadiennes. Ce qui est peut-être le cas si on regarde simplement sur le pourcentage de gens qui ont des diplômes. Sauf que, en termes de finances publiques, de payer l'école secondaire à ces élèves-là, pour qui au final décroche, puis ensuite payer l'école aux adultes, parce que les étudiants québécois, quand tu vas à l'école aux adultes, tu payes genre 400 $ par session vis-à-vis genre le 13, 15, 17 000 $ que les étudiants internationaux payent, ben ça coûte de l'argent.
qui est beaucoup plus élevé que si on mettait juste le nombre requis au départ. Fait que c'est un peu de même qu'il faut voir les mesures d'austérité gouvernementale. C'est comme une mesure d'urgence pour dire qu'il faut payer la dette, mais comme j'ai expliqué, ce n'est pas nécessairement le cas qu'il faut absolument payer la dette de manière urgente tout de suite, tout de suite, tout de suite, puis couper partout. Parce que dans le long terme, ces coupures-là vont coûter beaucoup plus cher à l'État pour au final quelque chose qui n'est pas nécessaire de faire. Parce que si on tient notre niveau de dette stable, ben, la dette relative baisse en termes de sa valeur. À chaque année que l'inflation continue de faire baisser notre argent de sa valeur. Fait que même quand j'étais un libéral réformiste, progressiste, pardon, je trouvais que c'était stupide, cette politique-là. Puis en réalité, je pense qu'il y a un aspect de lutte de classe dans le sens que l'objectif des paiements de la dette, c'est de remettre de l'argent dans le secteur financier pour qu'il y ait plus de spéculation. Puis là, ben, il y a des relations entre le gouvernement et le secteur financier. Fait que je serais curieux d'explorer ça en plus ample détail, mais de mon observation à distance, j'ai l'impression qu'il y a une raison autre que juste la finance publique. Parce que la logique que je viens d'expliquer, c'est pas genre des théories de complot qu'on retourne sur YouTube avec des vidéos faites par des niaiseux. C'était des théories qu'on étudiait dans nos cours, qui étaient écrites dans des livres qui parlaient d'économie, qui sont lus par tout le monde, absolument normal. Puis, je veux dire, mes profs d'administration publique, là, il y avait des personnalités libérales politiques là-dedans. Là. Il y avait. C'était quoi son nom? Coburn? Il a gagné son élection pour le Parti libéral municipal. Provincial. Fédéral. Copeman, c'est ça. J'ai eu un professeur qui était Copeman, qui était un candidat pour le Parti libéral. Je ne me rappelle pas à quel niveau. Mais c'est lui qui nous enseignait ces théories-là. Fait, en tout cas, on continue. Fait que, bref, l'austérité, c'est con. Ça risque d'être très, très stupide. Puis ça, c'est juste parler d'un point de vue de finances publiques. Même pas parler d'un point de vue, genre, moral, d'administrer nos affaires publiques pour diminuer le plus possible la souffrance humaine, qui est quand même une considération. Puis si on prend de cette perspective-là, ben, c'est là qu'on commence à penser, par exemple, aux sans-abri, aux immigrants, le traitement qu'on fait aux femmes, le salaire minimum, tout ça. Donc, c'est doublement con. Les libéraux ont toutefois profité des élections pour saupoudrer des subsides au secteur de la santé et de l'éducation. Cela n'a pas suffi à faire taire la colère des employés épuisés et des usagers et usagères dégoûtés par la dégradation des services. Ces manœuvres électoralistes n'ont également pas réussi à faire oublier les scandales de corruption, de nominations partisanes et d'agressions sexuelles qui ont éclaboussé dans le PLQ durant les dernières années. La question nationale éludée. La quasi-absence de l'enjeu de la question nationale durant la campagne a empêché les libéraux d'utiliser la peur de la séparation du Québec comme arme de dissuasion contre les autres partis nationalistes. Ça, c'est quand même intéressant, par exemple. Le chef de la CAQ, l'ex-ministre péquiste François Legault, a déclaré que jamais son parti ne tiendrait de référendum sur la souveraineté. Il réclame toutefois plus d'autonomie pour le Québec. Ah, qui est gentil. Comme la CAQ constituait l'ennemi à abattre, les libéraux ont épargné les critiques trop prononcées envers QS. Donc, c'est ça qu'on veut dire par dialectique. Il y a une force qui devient moins forte, le nationalisme du Québec, qui affecte le support des libéraux, qui attaque la CAQ, donc QS grandit. Ça, c'est une très belle analyse de force dialectique entre différentes forces qui se battent l'une contre l'autre. De son côté, le Parti québécois PQ a abandonné l'idée de tenir un référendum dans son premier mandat. L'effondrement du PQ. Le PQ a perdu le deux tiers de ses députés au profit de la CAQ et de QS. Il a été complètement éjecté de l'île de Montréal. Le PQ a fait élire 10 députés à travers la province, le même nombre que QS. Avec 17% des votes, 1% de plus que QS, le PQ a connu sa pire performance depuis 1970. Comme le PLQ, le PQ a été incapable de proposer des solutions aux problèmes générés par la crise du capitalisme. Puis ça, ce qu'on dit par crise du capitalisme, c'est pas la vision, mais l'expérience de la classe ouvrière avec les contradictions du capitalisme. Donc, on parle de l'appauvrissement de la population, l'enrichissement de la classe possédante, des coupures sans arrêt, l'austérité. Ça, c'est une crise. Parce que ça vient mettre la classe ouvrière sous un état de vulnérabilité extrême.
Puis c'est de l'instabilité politique, c'est de l'instabilité économique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit crise. Il faudrait que je demande à l'auteur, mais pour moi, c'est ça que ça veut dire. Avec l'arrivée de Jean-François Lisée comme chef en 2016, le PQ a mis de côté son discours de souverainiste, son discours souverainiste, ainsi que sa volonté de tenir un référendum durant un premier mandat. Le PQ s'est ainsi démasqué comme le parti d'une bourgeoisie québécoise qui s'accommode de sa place dans le capitalisme fédéral canadien. Plus que jamais, le projet nationaliste bourgeois du PQ a échoué à convaincre les larges couches de la population. Good! Depuis 1981, l'appui du PQ auprès de sa base historique composée de travailleurs et de travailleuses est en baisse constante. Ben, ils n'ont plus de lien avec les syndicats, ils n'ont même plus genre l'illusion de représenter les travailleurs et travailleuses à travers leur alliance avec les directions syndicales qui étaient eux-mêmes réactionnaires et conservatrices. Fait que là, ils n'ont plus rien. Le PQ, il meurt de ses contradictions. C'est durant ces années que le parti a inauguré l'ère néolibérale au Québec avec une série de lois antisyndicales et un appui à la mondialisation néolibérale. Cet agenda s'est consolidé durant les années 90 et 2000, notamment avec les coupures en santé et l'appui aux différents traités de libre-échange. L'éphémère gouvernement de Pauline Marois en 2012-2014 a pour sa part conclu des contrats secrets avec Petrolia à l'île d'Anticosti, opéré une accélération des mesures d'austérité et poursuivi le projet minier du plan Nord hérité du précédent gouvernement libéral. Ben oui, parce que c'est tous ces gens-là, tous ces plans économiques-là, ça bénéficie la bourgeoisie, puis le PQ représente ces mêmes intérêts-là. Donc, sur l'aréna politique, on est différent, on est contrarien, mais quand on arrive au poste du gouvernement, puis que tes acteurs économiques locaux qui supportent le gouvernement et l'économie du Québec capitaliste, ben là, ils disent dans quelle direction se dirige le vent, dans le fond. Donc, il ne faut jamais surprendre quand les partis, lorsqu'au pouvoir, se couchent devant les pressions capitalistes. Parce que quand tu es au pouvoir, le succès économique de ton État dépend des intérêts des capitalistes qui y participent. Fait que c'est facile quand tu es dans l'opposition officielle, gauchiste, de faire des grands plans de société et de dire plein de messages, blablabla. Bla, bla, bla. Quand tu arrives au pouvoir, si tu gouvernes un pays qui est en récession constante, ta vie politique va être très courte. Il n'y a rien de pire pour la stabilité d'un parti politique qu'une récession puis une dépression. Rien, 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 rien. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les pressions opportunistes qui arrivent au capitalisme. C'est pour ça que nous autres, à Alternative Socialiste, on fait la revendication d'un besoin d'un mouvement de masse pour faire passer un programme de gauche, un changement de société, si on veut. Parce que même si un parti comme Québec solidaire atteint le pouvoir, ben ça ne veut pas dire qu'il va être capable de faire passer ses politiques, parce qu'il va être aussi affecté par les mêmes intérêts que tous les autres partis quand il arrive au pouvoir. Sauf que si tu as des mouvements de masse dans ta base qui exigent que tu fasses passer ces plans-là, ben dans ce cas-là, les intérêts des capitalistes et de leurs lobbyistes ne pourront pas affecter la direction de ton parti. Fait que c'est un peu ça la game qu'on joue avec la mobilisation de base. Continuons. L'agenda opportuniste de la direction du PQ a aussi participé à discréditer le parti aux yeux de centaines de milliers de personnes. Durant les dernières années, le parti est ainsi passé d'un appui au mouvement populaire de 2012 à leur trahison par l'austérité budgétaire, d'une rhétorique de gauche à un tournant identitaire avec sa charte des valeurs québécoises en 2014, puis à l'élection de l'antisyndical magnat de la presse, Pierre-Carl Péladeau, comme chef. Après sa démission et son remplacement par Lisée, le PQ a proclamé avec arrogance la nécessité de conclure un pacte électoral avec Québec solidaire dans l'intérêt de la quote-unquote grande famille souverainiste. Le refus de cette alliance par le congrès de QS en 2017, mais non la direction de QS, qui elle voulait la fusion avec le PQ, donc on parle encore une fois des intérêts différents entre la base et la direction d'un parti politique ou d'un syndicat. Il faut rentrer d'emblée avec cette perspective-là pour comprendre comment le jeu se joue dans le fond. Le refus de cette alliance par le congrès de QS en 2017, suivi de la montée fulgurante de QS dans les sondages en 2018, a finalement poussé Lisée à paniquer. Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Ah, c'est magnifique.
Pendant les élections, Lisée a tenté de dépeindre QS comme un parti de conspirateurs contrôlé par des marxistes. Hey, si seulement on avait le contrôle de QS, oh my God. Cette campagne de peur a révélé les dissensions au sein du PQ, en particulier avec sa tendance plus progressiste incarnée par Véronique Yvon. Les tensions ont abouti à la décision de Lisée à l'issue des élections et de sa défaite écrasante aux mains de QS dans sa propre circonscription. Ouais, le PQ s'est écroulé pendant cette élection-là, puis Lisée, il a vraiment été perdu dans toute l'affaire. Il n'a vraiment pas dealé avec le refus de QS de faire une fusion, blablabla. Bla. Puis ça a été un petit enfant. Il a agi pareil comme un enfant. Oh, c'est des conspirationnistes marxistes, ta, 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 ta. Ben ouais, c'est ça, Lisée, lâche pas. La question des alliances PQ-QS risque de refaire surface à moyen et long terme. Une telle alliance de classe sur des bases nationalistes est défendue par la direction de QS depuis la création du parti. L'élection du ou de la nouvelle chef du PQ donnera le ton au pourparlers. L'élaboration d'ententes électorales entre le PQ et QS pousserait QS sur la pente glissante du capitalisme nationaliste. À long terme, QS pourrait se retrouver à occuper l'espace politique du PQ. Donc, un parti qui serait voué à l'échec à long terme sous ses propres contradictions. La CAQ, incarnation du changement, entre guillemets. Comme ailleurs dans le monde, le sentiment anti-establishment présent parmi la population du Québec a pris la forme d'une polarisation du vote partisan. La CAQ a grimpé de 14% pour s'établir à 37% des voix, passant de 22 à 74 députés. Il faut comprendre que dans notre système first past the post, qu'on appelle en anglais, une minorité gagnante va avoir accès à tous les sièges, tandis qu'une minorité, dans le terme des pourcentages de vote, va avoir accès à presque rien. C'est pour ça qu'entre 14 et 37 %, qui est comme 125 % de différence, ben, on a 22 à 74 députés, qui est une différence d'environ 300 %, trois fois plus élevée. On peut parler de la proportion, de la proportionnalité pour résoudre ce problème-là, ce qui sera un sujet de lecture futur. Hey, salut à mon chat. Premier après la poste, je crois. Ouais, t'as raison, mon homme. L'appui populaire à la CAQ découle principalement du discours de changement martelé par Legault, c'est-à-dire sa volonté présumée de rompre avec les politiques des deux vieux partis, entre guillemets. Cet appui populaire ne doit toutefois pas être interprété comme un tournant à droite de la société québécoise. Le vote pour la CAQ repose sur le plus bas taux de participation aux élections provinciales depuis la Deuxième Guerre mondiale, à 66,5 %. Seules les élections de 2008 présentent un résultat encore plus bas, 57,4 %, explicable par l'effondrement de l'ADQ. Considérant le taux de participation, environ 25 % des personnes inscrites sur la liste électorale ont voté pour la CAQ, ce qui lui permet de dominer complètement le Parlement. Ouais, ça c'est le problème avec notre système bourgeois en ce moment. Ce que je veux dire en fait rapidement sur la proportionnalité, le système proportionnel, c'est que tu te retrouves avec des partis qui représentent un plus large éventail d'idées dans ton parlement. Donc, au lieu d'avoir deux, trois partis avec tous les sièges, tu as plusieurs plus petits partis puis des gouvernements minoritaires. Mais en réalité, ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que pour gouverner, pour faire passer les politiques, il faut que les partis coopèrent davantage avec l'un l'autre. Donc, les partis de gauche doivent coopérer avec les partis du centre. Et les partis de droite doivent coopérer avec les partis du centre. Et les partis du centre se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils peuvent coopérer avec tout le monde quand ça leur tente. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression pour aller vers le centre, on se comprend. Et il y a beaucoup de pression pour mettre de l'eau dans son vin. Ce qui veut dire qu'en réalité, le système proportionnel n'amène pas automatiquement un gouvernement plus gauchiste dans sa gouvernance. Parce que les politiques sont tout aussi centristes, centre-droite, que notre système à nous. On peut regarder le gouvernement d'Israël, en passant, qui est un système proportionnel dont on aimerait émuler. Ben, je ne me fierais pas sur Israël pour juger un gouvernement comme étant de gauche, admettons. Fait que ce n'est pas une réponse structurelle qu'on a de besoin. Ce n'est pas ça le problème de notre système. Ce n'est pas le type de gouvernement. Dans les deux cas, on va avoir relativement la même chose. Ce que j'aime, par exemple, avec la proportionnalité, c'est qu'il y a plus d'idées au Parlement. Ce qu'on peut observer en ce moment avec QS. QS a un rôle
de propagande d'une certaine manière. Quand QS avance une ligne politique, ben QS a accès aux médias de masse, à Radio-Canada, la presse, whatever, pour en parler. Ça, c'est positif. Alors, on peut imaginer un monde où est-ce que, avec la proportionnalité, il y aurait peut-être deux, trois, tu sais, partis marxistes quelconques qui auraient accès au Parlement. Puis même s'il était aussi minoritaire qu'aujourd'hui, à pouvoir absolument rien faire au Parlement, au moins il aurait accès au questionnement, puis à l'élaboration politique, et aux médias, et au débat, etc., etc., etc. Donc, pour une considération purement éducationnelle des idées de gauche dans notre société, je pense que la proportionnelle est mieux pour ça à long terme. Mais pour une question de gouvernance, non, je ne crois pas que ça changerait de manière fondamentale la manière qu'on gouverne notre pays. Et de la même manière, avec la proportionnelle, ça peut être aussi plus radical vers la droite aussi. Donc, on aurait plus de partis ouvertement à droite, sinon fascisants, Marine Le Pen, etc., etc. Fait, tu sais, c'est pas la solution parfaite à tous nos problèmes, mais pas du tout. La CAQ a récolté tout particulièrement l'appui d'une couche inférieure de capitalistes québécois. Cette couche est composée pour l'essentiel d'entrepreneurs francophones basés hors de Montréal. Ces derniers subissent les contre-coups de la mondialisation économique et sont hostiles aux revendications des salariés, qui, by the way, est un mouvement mondial des capitalistes locaux des pays développés. On pense à Trump aussi. Donc, il y a beaucoup de capitalistes qui se retrouvent dans une situation où est-ce que la Chine, c'est pas bon pour leurs affaires, la mondialisation, ça leur coûte trop cher, ils sont pas capables de faire leurs affaires ici. Alors, ils encouragent des gouvernements comme Trump, comme Legault, qui vont pousser une espèce de nationalisme économique, des mesures de protection, du protectionnisme, qui sont, dans le fond, anti-mondialisation, nationalisme économique. C'est des vieilles idées, mais qui refont surface parce que c'est dans l'intérêt du capitalisme local qui se sent désillusionné avec le système tel qu'il est. Donc ça, c'est le Parti libéral qui supporterait la mondialisation, puis l'économie interreliée, parce que ça, c'est le néolibéralisme, d'une certaine manière. Bien là, tu as les partis de droite conservateurs qui vont pousser vers le protectionnisme. Puis ça, c'est le rôle un peu de la CAQ au Québec, qui est le Trump québécois, d'une certaine manière. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à Trump, c'est son nationalisme économique. Il haït la Chine, mais c'est pas qu'il haït les Chinois ou la Chine, c'est qu'il veut que sa base... représenté par les capitalistes, y ait accès au marché américain plus que la Chine. Bref, un sujet de notre lecture future. Le métier des élus de la CAQ reflète cet appui, donc la composition sociale de la CAQ. Ce sont principalement des gens d'affaires, des gestionnaires et des personnes de profession libérale. Comme les autres gestionnaires et les personnes de... Comme les autres avant lui, le gouvernement du patron CAQIS déroulera le tapis rouge au grand capital, même au détriment des intérêts de cette base petite bourgeoise. Donc, il y a quand même des illusions pour la petite bourgeoisie CAQIS, parce que c'est tout le temps la grande bourgeoisie qui fixe les règles du jeu, puis toi, ben, t'as les miettes à la fin de la journée, tu sais. Parce que t'as quand même 66% de chances que ta PME échoue dans les premiers 5 ans de son existence, parce que les conditions de vie d'une PME sont absolument désavantagées quand on compare aux grandes compagnies qui ont des relations avec le gouvernement, qui ont accès au capital, qui ont des taux avantageux avec les banques, qui ont accès à plus de marchés, au marché international aussi. Fait que la petite bourgeoisie se fait des illusions quand elle pense qu'elle va pouvoir affecter le gouvernement plus que la grande bourgeoisie. Puis, qu'est-ce que tu veux? Que ça fait une PME, ça meurt 66% du temps. De mémoire. Ça peut être 55% aujourd'hui, je ne sais pas. Le Conseil des ministres compte d'ailleurs trois anciens gestionnaires des banques ainsi que des ex-lobbyistes pro-hydrocarbures. Mais quelle surprise! Puis on le voit aujourd'hui avec le discours de la CAQ contre les syndicats. Le lendemain des élections, Legault a immédiatement manifesté sa volonté d'interdire le port des signes religieux aux employés d'État en position d'autorité ainsi qu'aux enseignants et enseignantes. Ce projet hypocrite ne tient pas compte des symboles religieux catholiques. Ben non. Il vise principalement les femmes musulmanes portant le voile. Qui dit nationalisme économique dit proposition d'une idéologie qui va logiquement mener au nationalisme économique. Puis ça passe par, c'est ça, ces espèces de mesures symboliques de dire que les immigrants, l'immigration, l'étranger, c'est mauvais, 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 il faut couper ça, il faut leur rendre la vie difficile, c'est des forces de changement négatives. Puis je dis ça,
Historiquement, je ne sais pas si vous avez fait de la littérature en secondaire, des histoires classiques anglaises, mais il y a une histoire qui s'appelle, oh boy, Goblin Market, le marché des gobelins. Puis Goblin Market, ce que c'est deux petites filles blondes anglaises. Puis là, il y a un marché de gobelins. Puis là, ils vont au marché. Puis là, les gobelins leur donnent des fruits qui sont absolument incroyables, qui viennent du reste du monde. Puis là, bref, la fille qui goûte les fruits se fait genre violer, puis elle passe à deux doigts de mourir. Mais sa sœur, avec la pureté anglaise, des valeurs religieuses de cette époque-là, la sauve, si je ne m'abuse. Puis à la fin de l'histoire, la sœur va dire au gobelin de s'en aller, ou peu importe. Bref, puis là, il y a une fin comme ça. Mais l'idée de cette histoire-là, c'est que ça poussait une idéologie dans une période historique de l'Angleterre où est-ce que les marchés natifs de l'Angleterre, les native markets, les marchés qui venaient de l'Angleterre, ne voulaient pas que les fruits, les légumes, les matières transformées des autres pays viennent se faire vendre chez eux parce que ça faisait mal à leurs affaires. Alors, cette histoire-là existe dans un contexte d'idéologie qui cherchait justement à pousser cet angle-là. Que regardez comment ces matériaux qui viennent de l'étranger, c'est dangereux. Regardez comment ceux qui vendent ces matériaux-là sont bizarres. C'est des gobelins, ils ont des accents, ils ont des couleurs de peau différentes, on ne les comprend pas, c'est pas comme nous, ils sont différents. Puis ça, c'était dans les années 1800 en Angleterre. Non, Goblin Market, je parle à mon chat, c'est de la littérature anglaise que j'ai faite quand j'ai fait mes 45 crédits en littérature anglaise. C'est une histoire qui est seulement une vingtaine de pages. C'est vraiment pas long. Même que je pourrais probablement trouver le lien en dans 2 secondes. Attends-moi une seconde, je vais mettre ça dans Goblin Market PDF, je te trouve ça. Et voilà. Donc, je mets ça dans le chat. Si ça vous tente de lire ça, vous allez voir ce que je veux dire. Bref, c'est juste pour dire que l'idéologie populaire, parce que Goblin Market, la raison pourquoi qu'on en parle encore aujourd'hui dans nos cours, c'est parce que ça a été une histoire qui a été lue par tout le monde à l'époque. Ben, c'est drôle parce que c'est une histoire qui a été acceptée dans les livres, dans les magasins de livres, qui a gagné des prix de littérature, que, tu sais, ça faisait l'affaire des bourgeois de l'époque. Donc, c'est un peu la même chose avec ce que Legault fait aujourd'hui, ou hier, dans le fond, en 2018-2019, peu importe. Avec sa loi sur les signes religieux. C'est l'espèce de manifestation de l'idéologie de protectionnisme économique, où est-ce que tu as une base matérielle qui vient pousser la bourgeoisie politique à faire pousser des trucs comme ça, idéologiques, symboliques, qui vont en faire avec les t'sais, il n'y a pas personne qui est menacé par le voile porté par les femmes dans nos écoles, mais le gouvernement pousse une ligne qui fait peur aux gens, justement pour ça. Mais c'est tout interrelié. Le lendemain des élections, Legault a émis, oui, c'est ça que j'ai dit, il vise principalement les femmes musulmanes. Désormais une priorité du gouvernement, ce projet de laïcité de l'État à deux vitesses n'a pas été abordé durant la campagne électorale. Nope. Legault défendait alors une baisse des quotas d'immigration. Oh, concentre-toi, Simon. De 50 000 à 40 000 personnes dès 2019. Cette politique de division xénophobe serve à masquer ce que défend réellement la CAQ, c'est-à-dire le fédéralisme canadien et les intérêts des compagnies privées. Ouais, c'est tellement drôle parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que la CAQ a dit 50 000 immigrants. Il faut baisser les quotas d'immigration de 50 000 à 40 000 personnes. Puis là, la Chambre des commerces de Montréal, puis les représentants du patronat sont arrivés dans les journaux, puis ont dit: Hey, toi là, on a besoin de ces immigrants-là, ils coûtent pas cher. On les engage dans nos compagnies, puis on fait plus de profit avec eux. Puis le lendemain, la CAQ a dit: Oh, excusez, je ne l'ai pas dit, 40 000. Ils ont baissé à 40 000. Drette, quand les représentants de la bourgeoisie ils ont critiqué son plan, ça a pris 24 heures, puis la CAQ a changé d'idée. C'était tellement transparent, je suis parti à rire à l'époque. Le faire le rein. Malgré son discours, la CAQ risque de diluer son projet de baisse, et voilà, considérant la pénurie de main-d'œuvre et l'opposition au projet des villes de Québec, de Montréal, ainsi que de la Chambre du commerce de Montréal. Et voilà, la Chambre du commerce de Montréal était contre. La CAQ se plie en deux. Mais si tu mets 500 000 personnes dans la rue, par exemple, la CAQ fait absolument rien.
Ça démontre c'est quoi les intérêts de classe de ce gouvernement-là. Je parle bien sûr du mouvement pour l'environnement de l'an dernier ou le 2 ans, où est-ce qu'on a réussi à mettre 500 000 personnes pour contrer les changements climatiques, mais la CAQ n'a absolument rien changé à son agenda politique en réponse à ça. C'est quand même triste. La faible légitimité du programme politique de la CAQ n'empêchera toutefois pas Legault d'aller de l'avant dans son agenda de division sociale et d'austérité budgétaire. Donc ça, c'est aussi un aspect de genre, on va vous distraire avec des discours anti-religieux basés sur la culture, puis faire peur aux petits vieux boomers, pour vous distraire de ne pas parler des mesures d'austérité qui coupent vos services, vos salaires, puis vos conditions de travail. C'est une manœuvre quand même classique de la bourgeoisie à travers ses gouvernements. Il n'hésitera pas à utiliser sa force, sa position de force pour prétendre avoir été élu pour ça, entre guillemets. Ben non, il dit même que son Facebook est d'accord avec lui à 90%. C'est un maître, ce Legault. Cet appui politique instable pourrait rapidement changer selon les circonstances. L'éventualité d'une récession mondiale à court terme, doublée de la faible légitimité politique de la CAQ, laisse entrevoir une accélération de la lutte de classe. De nouvelles couches de personnes seront précipitées dans la lutte, comme l'a démontré la manifestation contre le racisme et la CAQ, ayant regroupé 5 000 personnes à Montréal le 7 octobre 2018. Faut dire que ça, c'est un document qu'on a écrit avant la COVID. Et même avant la COVID, on prévoyait, pardon, qu'il allait y avoir une chute des performances économiques mondiales, une nouvelle récession dans les années suivantes, parce que ça faisait 10 ans depuis 2008 qu'on n'en avait pas eu. Et les crises économiques, c'est cyclique à environ à chaque 10 ans. Donc on était dû, puis on voyait aussi les signes avant-coureurs de crises économiques. Donc, qui dit crise économique dit crise politique, mouvement de masse, etc., 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 crise d'austérité aussi. Puis là, on a le COVID, qui a des effets contradictoires sur la lutte de classe, dans le sens que le domaine de la santé est en burn-out, le domaine de l'éducation est en burn-out, les employés sont tannés, sont en colère, mais en même temps, ils ont comme pas d'option pour s'organiser puis manifester. Là, on vient de bloquer le pont. En fait, plusieurs ponts avec les infirmières puis la FIC, si je ne m'abuse. Donc, je crois que une perspective possible serait qu'il y ait de la mobilisation de masse dans le domaine de la santé, surtout qu'ils sont en période de négociation. Mais cette mobilisation-là, d'après moi, aurait été beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu la COVID. La même chose avec les mobilisations pour l'environnement, l'antiracisme, etc., etc. Le COVID a comme mis une pause sur les mobilisations de masse, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de recommencer en ce moment. Donc, il faut garder ça à l'œil de très près même. Ce premier mandat de la CAQ sera déterminant pour que ce parti soit reconnu comme le nouveau véhicule politique de la bourgeoisie québécoise. Ce mandat sera plus facile à réaliser que celui d'améliorer les conditions de vie de sa base populaire, effectivement. Face à la classe sociale qui s'en vient, face à la casse sociale qui s'en vient, pardon, de nombreuses personnes pourraient en revenir à appuyer le PLQ ou le PQ, dont l'agenda serait jugé plus modéré. Dans le cas où la polarisation politique s'exacerberait, la CAQ consoliderait une partie de ses appuis populaires, tandis qu'une autre passerait à QS. QS, seule opposition à l'austérité. La polarisation politique qui a porté la CAQ au pouvoir s'est aussi exprimée par l'essor des appuis à QS, effectivement. Ce parti a vu son taux de vote plus que doublé depuis les dernières élections, le faisant passer de 3 à 10 députés. L'appui à QS a augmenté dans toutes les circonscriptions du Québec, en particulier dans les villes. 2 députés ont été élus en région et 2 autres dans la ville de Québec, au cœur du château fort CAQIS. QS s'est hissé en deuxième position dans 14 circonscriptions, dont dans l'Assomption, celle de François Legault. C'est quand même intéressant. Ces résultats confirment ceux obtenus lors du pointage téléphonique des Solidaires. Plusieurs personnes ont hésité entre voter pour la CAQ ou QS, donc des votes anti-establishment, où est-ce que c'est pas nécessairement que tu votes pour un parti que t'aimes, mais que tu votes pas pour un parti que t'aimes pas. Puis ça, c'est très volatile. Sauf que quand les gens votent pour toi puis deviennent membres, ben c'est ton opportunité de mobiliser, de politiser, des intégrer dans ton approche et tes perspectives politiques. Ce que QS ne fait pas, by the way, et ce qu'il devrait faire absolument. L'essor de QS constitue la plus importante percée de la gauche politique au Québec depuis les 20 dernières années. Le long et patient travail des militants du RAP, de l'UFP et OC a porté ses premiers fruits. L'enthousiasme débordant des milliers de personnes, surtout des jeunes, durant la campagne de QS.
Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis que Michel s'est présenté contre Lucien Bouchard en 1998. C'est près de 20 ans d'un travail militant patient pour construire une alternative de gauche et indépendantiste au Québec. QS est sorti de la marginalité, notamment grâce à une vigoureuse campagne de relations publiques menée par ses deux plus charismatiques porte-parole, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Les tournées, l'utilisation des médias sociaux, les revendications concrètes du parti, ainsi que les visites de piquets de grève et de lock-out ont eu un impact, en particulier parmi la jeunesse et les femmes. Les porte-paroles ont toutefois évité d'avoir un discours de classe ou de pratiques trop polarisantes. Cela explique en partie le vote massif des travailleurs et travailleuses pour la CAQ. Ouais, ça c'est vrai. On a plusieurs textes sur QS récemment, donc je vous invite à visiter alternativesocialistes.org pour aller dans la section québécoise, Nouvelle québécoise, où on mène nos textes de QS, je crois. Sinon, on a un onglet QS. En tant que formation large de gauche, en fait, je pourrais tout simplement lire ces textes-là dans le futur, si c'est ça que ça, si c'est ça qui est pertinent de faire, dans le fond. En tant que formation large de gauche, QS est traversé de contradictions, ce qui rend sa pratique politique ambiguë. QS n'est ni un parti de la petite bourgeoisie, ni un parti de la classe travailleuse, mais a des éléments des deux. Ces contradictions se dévoilent à plusieurs niveaux. Les revendications de classe, comme les nationalisations, l'indépendance nationale ou encore le plan de transition économique et écologique, sont restreints au cadre capitaliste, donc c'est relativement social-démocrate, réformiste. La rupture avec le capitalisme n'est ainsi pas posée, malgré les perspectives précaires et inapplicables à long terme de la grande majorité des réformes proposées par QS. La lutte des classes. Puis ça, je veux quand même mentionner rapidement parce que j'ai lu le programme de QS puis leur plan de transition écologique. Quand on parle de perspectives précaires et inapplicables, on parle de, par exemple, prendre pour acquis qu'ils vont pouvoir dire aux compagnies de transport par camion, par 10 roues, etc., qui devraient avoir des moteurs plus propres, de diminuer leur émission de genre 25, 30, 40 %, peu importe. QS ne prédit pas la réplique de ces compagnies-là qui vont soutenir les partis d'opposition à QS avec leurs travailleurs et travailleuses, qui ne vont pas vouloir perdre leur job, et à même l'élite qui contrôle ces compagnies de transportation-là, qui sont quand même des compagnies multimilliardaires. Donc, QS veut faire une réforme verte, mais en voulant faire cette réforme verte-là, elle s'assure une opposition acharnée de ces compagnies-là qui ne veulent pas dépenser leurs profits pour changer leur moteur pour que ça soit plus propre. Donc, c'est ça la contradiction. Si ton plan fait en sorte que tu perds du support puis tu t'assures de perdre tes élections, ben ça, c'est une recette pour simplement perdre puis pas être capable de faire tes politiques. Ou de gagner puis pas être plus capable de faire tes politiques parce que tu veux pas perdre la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle un programme intenable. C'est ça qu'il dit? Précaire et inapplicable. C'est ça qu'on appelle un programme précaire et inapplicable. C'est naïf de penser qu'il peut faire ça. Encore, on revient à la nécessité d'un mouvement de masse et d'une base militante, politiquement éduquée, qui est prête à se battre jusqu'au bout, à même le parti de QS. La lutte des classes au sein de QS se constate également en observant la liberté politique croissance dont fait preuve l'aile parlementaire par rapport aux décisions du parti. Ouais, donc l'aile parlementaire prend de plus en plus de place dans QS, puis ça, c'est profondément antidémocratique. Ces privilèges nouvellement acquis, par exemple leur salaire, les éloignent de plus en plus des conditions de vie de la majorité. Puis si on le veut avec les directions syndicales, quand la condition matérielle de la direction est différente de celle des membres, ben ils s'identifient plus avec la petite bourgeoisie puis le réformiste qu'avec les conditions matérielles objectives de leurs membres. Donc, il y a comme une lutte de classe à l'intérieur de QS, une lutte de classe à l'intérieur des syndicats où est-ce que les directions veulent faire de la coopération de classe avec les partis bourgeois au lieu de représenter leurs membres à travers des campagnes de la militance, l'éducation politique, puis bref, des mouvements de masse, dans le fond. Malgré les limites de l'approche réformiste de QS, l'action du parti renferme un potentiel énorme pour élever la conscience politique des larges couches de la population, l'espèce de présence gauchiste au Parlement dont je parlais plus tôt. QS ne sera pas capable de gagner des batailles en se basant uniquement sur sa position de voix morale anti-austérité au Parlement. Non, effectivement, puis ça me rappelle un peu Syriza en Grèce qui avait gagné à même un parti qui était beaucoup plus radical que QS,
beaucoup plus actif, qui avait même fait un référendum sur le fait de ne pas devoir, d'arrêter l'austérité, puis je pense de devenir indépendant de la Troïka et de l'Union européenne dans le temps de la crise. Puis même s'il avait fait un référendum qui avait gagné sur la question, donc le référendum exigeait que le gouvernement ne paye pas les intérêts exorbitants des banques européennes et qui arrête les mesures d'austérité, ben le gouvernement a quand même plié contre les pressions. Parce que c'est ça qui arrive quand tu décides pas d'emblée que tes politiques de gauche sont inadmissibles sous le capitalisme. Tu vas perdre éventuellement. Les pressions vont être trop grandes parce qu'ils vont menacer ton système au complet. Puis toi, en étant un réformiste, tu veux faire fonctionner ce système-là. Fait que ça, c'est une nouvelle contradiction qui rend la social-démocratie intenable sous le capitalisme. Il lui faudra mobiliser les travailleurs et les travailleuses à l'extérieur du Parlement. Oui, sur la base des revendications de son programme politique. Absolument, ce qu'il ne fait pas. Utiliser le programme de QS. C'est précisément pour cette raison que la bourgeoisie a peur de QS. Absolument. Les pressions de la population peuvent pousser ce parti à refuser l'agenda capitaliste de l'élite. Toutefois, et en dépit de ce potentiel, les partis de gauche à travers le monde ont plutôt canalisé la colère des travailleurs et des travailleuses sur le plan institutionnel seulement, et non dans les rues, comme on veut qu'ils fassent. À défaut de donner une expression de classe au mouvement de lutte et de baser leur action sur un programme politique, les partis de gauche restreignent leur lutte au cadre capitaliste et à ses institutions. Donc, on fait appel à la Cour, on fait appel au Parlement, on fait appel aux médias pour essayer de gagner l'opinion publique, mais c'est des institutions qui sont déjà achetées par les capitalistes. Fait que c'est clair que tu vas perdre, t'sais. C'est comme le poisson qui essaie de demander aux requins de les aider à moins se faire manger par les requins. C'est ridicule. Ah, justement, la trahison de Syriza met en évidence l'échec de cette stratégie. Pour défaire le gouvernement Legault et contrer ses attaques, l'organisation de mouvements de masse à l'image de ceux de 2012 serait nécessaire. Oui, ça c'est vraiment ce qui fait peur, c'est les affiches à Manon, effectivement. L'organisation des mouvements de masse à l'image de ceux de 2012 sera nécessaire, absolument. C'est l'action militante de masse prête à la désobéissance civile qui a été en mesure d'infléchir le rapport de force et de contraindre le gouvernement libéral majoritaire d'alors à précipiter des élections générales. Ben oui. On n'a pas gagné 2012 à 100%, mais on voit que au moins avec la lutte, on se donne une chance. Sans la lutte, on s'assure la défaite. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Avec la lutte, peut-être qu'on va perdre, mais sans la lutte, c'est sûr qu'on perd. Ça, c'est plus l'attitude qu'il faut avoir, d'après moi. La récession mondiale qui s'annonce durant les prochaines années aura un effet sur la conscience politique des milliers de personnes. QS peut en tirer profit en développant une alternative politique pour la classe travailleuse. Sinon, la CAQ aura tout le loisir de présenter son projet de division sociale comme le meilleur moyen de répondre aux besoins de la majorité blanche catholique. Puis je veux donner plus de contextualisation à ma critique un peu constructive de QS. Je veux donner un exemple spécifique. Quand il y a eu la mort récente d'une personne autochtone dans les hôpitaux à La Salle, je veux dire, au Québec, à cause d'infirmières racistes, la personne autochtone s'était filmée. Je ne me rappelle plus de son nom en ce moment, son nom m'échappe. Il s'est tenu à Montréal une manifestation en mémoire de cette personne-là, donc un geste de solidarité. Puis il y a eu, je pense, 2 à 3 000 personnes. C'était vraiment beau à voir. C'était vraiment un événement solidarisant qui s'était passé cette fin de semaine-là. En pleine pandémie, hein, donc il y avait plein de gens qui ne sont pas vus. Qui n'étaient pas venus à cause qu'ils avaient peur de se manifester durant une pandémie, puis c'est, on comprend ça, bien sûr. Ben, QS est allé, Manon est allé, puis Alisha, qui était l'ancienne présidente de la Commission nationale autochtone de QS, était allée pour faire un speech, ce qui était vraiment positif, que Manon s'imprègne des luttes sociales qui se passent au Québec, ça c'est absolument positif. Sauf que la différence entre un parti politique qui fait la bonne vieille politique, puis ça, donc, on en parle. Donc, que QS s'imprègne de la militance de terrain, ça aurait été que non seulement Manon se présente pour faire son speech, mais que QS en parle une semaine avant, envoie un email à tous ses membres pour dire Manon va être à cet événement-là, faisons un contingent QS, que QS mobilise ses membres pour supporter cette manifestation-là, le speech de Manon, les politiques antiracistes que QS met de l'avant dans son programme, etc., etc., etc. Donc, en fait, le but,
serait que la direction de QS utilise leurs privilèges avec les médias, avec leurs membres, leur autorité dans le fond, pour amener les membres vers la militance, vers la lutte de terrain, vers la politisation. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Mais en ce moment, malheureusement, QS, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent le spotlight des médias pour faire des relâches de presse. OK, mais ça, c'est ce que le PQ et le Parti libéral font déjà. Fait qu'on va pas gagner de cette manière-là. Puis c'est encore une fois, comme je disais, si on fait pas les luttes, on va perdre. Fait que là, QS est en train de décider de perdre. En tout cas, on continue la lecture, camarades. On est heureux, on passe une bonne journée. Dépasser le programme de QS. Pour remporter les victoires durables, bon, c'est ça. Dès que j'ai une idée, le texte va dans la même direction de ce quoi je parle. Ça l'aide un peu que c'est moi qui écris certains de ces textes-là. Je pense que ça paraît. Pour remporter des victoires durables, les mouvements de lutte devront toutefois aller au-delà des limites de ceux de 2012. Effectivement. 2012, on n'a pas gagné une victoire écrasante. C'est ça le but, c'est de gagner nos positions politiques. La proposition positive de société alternative, d'une société québécoise socialiste, devra s'élaborer au sein des organisations des travailleurs et des travailleuses. Durant les années 70, les centrales syndicales ont réussi à mobiliser des centaines de milliers de personnes partout au Québec autour d'un projet de Québec socialiste et indépendant. Cette approche demeure pertinente aujourd'hui, absolument. Puis c'est pas de dire aux gens genre « Hey, le socialiste, c'est cool, soyons socialistes. » C'est de faire l'argument politique que si on veut que le programme qui représente nos intérêts de classe aboutisse à des victoires, ben il faut se rendre compte que le capitalisme est un obstacle à notre programme politique. Prenons par exemple les changements climatiques. Si on veut régler la question, ben il faut remettre en cause la validité du capitalisme puisque le capitaliste se démontre incapable de répondre à cette situation-là. Donc, c'est soit notre survie et on règle la question des changements climatiques, ou on reste dans le capitalisme. À un moment donné, il faut faire le choix. Puis c'est pas juste de dire que le socialisme, c'est cool, c'est de faire comprendre à la classe ouvrière que l'issue de leurs propres besoins et de leurs propres revendications politiques réside dans la démocratie ouvrière. Puis ça prend du temps, puis ça prend du travail de terrain. C'est pour ça que je vous invite à joindre QS si c'est quelque chose qui est possible à faire. Bien que QS ne soit pas un parti de la classe travailleuse proprement dit, son développement constitue une étape dans la construction d'un tel parti. Le mouvement syndical occupe une place fondamentale dans l'organisation d'un parti de force, d'un rapport de force en faveur de cette classe. Puis c'est triste parce que ce qui est arrivé, c'est que le mouvement syndical s'est mouillé les pieds en supportant le PQ dans les années 70, 80, 90, puis le PQ étant un parti bourgeois, a complètement était un traître envers le support politique des syndicats. Puis on l'a vu dans mon stream de hier et d'avant-hier. Donc on dirait que à cause des défaites du passé, les directions syndicales et les membres des syndicats ont de la misère à ouvertement supporter un parti politique. Mais ça, il faut briser ça. Il faut que les membres des syndicats interagissent avec QS et ses structures démocratiques. Il faudrait qu'il y ait une mobilisation de masse des gens syndiqués à l'intérieur de QS pour faire des revendications à l'intérieur de QS. Puis avec leur nombre, ça serait super facile de faire plier QS vers des revendications de la classe des travailleuses. QS a seulement 15 000 membres. Je pense qu'il y a comme 250 000 employés de la santé au Québec. La mathématique n'est même pas proche. Tu mettrais 2 000 gens syndiqués dans QS qui seraient relativement organisés, puis le programme au complet de QS deviendrait syndicaliste. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Fait que, allons-y, camarades, on a du travail à faire. Bras de fer avec les directions syndicales pro-PQ. Pro-PQ, même si le PQ fait tout pour couper les mobilisations syndicales. L'ironie est à couper le souffle. Fidèles à leur habitude des dernières décennies, les directions des centrales syndicales ont eu recours à la stratégie de la non-partisanerie durant les dernières élections. Donc, de choisir de perdre, dans le fond. Cette stratégie du vote stratégique, j'aime pas nécessairement cette tournure de phrase-là. Cette stratégie du vote stratégique, pour le moins pire, revient à appuyer implicitement le PQ, sans condamner ou opter pour un nouveau parti. Les directions ont déployé différents outils d'information pour leurs membres. Une coalition de 6 syndicats affiliés à FTQ a organisé la campagne d'affichage ciblée. C'est du pareil au même, on mérite mieux. Oui, on mérite mieux avec le PQ. C'est une super stratégie. Afin de contrer le vote pour la CAQ ou le PLQ. La campagne d'affichage n'a toutefois pas été élaborée avec la participation des membres de la base.
comme d'habitude. Parce que les problèmes de la direction de QS, c'est les mêmes problèmes de la direction des centrales syndicales. Puis dans le fond, c'est une direction qui s'affiche dans un contexte de libéralisme, où est-ce que tu as le leader qui a toute l'autorité, où est-ce que c'est pas démocratique, où est-ce que les membres de la base n'ont aucun pouvoir. C'est ça la théorie libérale, c'est ça la hiérarchie qui est légitimée par notre système. Ce qu'on appelle en histoire la théorie du grand homme. C'est quoi Trump? Ben, c'est la personnalité de Trump. C'est pas un système qui donne naissance à un support et un besoin qui donne l'espace à un politicien comme Trump. C'est juste Trump. Ben, c'est la même chose avec les syndicats puis QS. Les gens pensent qu'on bâtit des mouvements sociaux avec des grandes personnalités publiques. Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, que par leur seule genre force de leur personnalité, tous les gens vont les aimer puis les suivre. Mais c'est pas de même, ça marche. C'est pas dialectique. C'est pas. En tout cas. De plus, elle n'a pas servi à organiser les discussions politiques avec des membres sur la nature de leurs intérêts par rapport à ceux défendus par les différents partis. De telles discussions, ben, ça, on le sait parce que, tu sais, la direction, c'est ceux qui sont le plus dépolitisés. Fait qu'on s'attend pas à ce qu'eux politisent leurs membres. Eux autres-mêmes, ils n'ont pas de bonne politique. Fait que ça va être difficile, on a beaucoup de travail à faire. De telles discussions auraient permis de déboulonner les faux espoirs placés dans la CAQ ainsi que de démasquer la traîtrise systématique du PQ envers les syndiqués. Si vous voulez voir c'est quoi la traîtrise du PQ, vous pouvez écouter mon stream d'hier, avant-hier. Les directions syndicales ont été incapables d'agir sur le phénomène de polarisation politique ayant affecté les syndiqués du Québec. Cette situation s'explique notamment par l'appui indéfectible d'une partie des dirigeants syndicaux au PQ. Cette tendance constitue le principal frein au projet de construction d'un nouveau parti de la classe des travailleurs et des travailleuses. La CAQ tiendra la ligne dure contre les syndicats. Cette nouvelle période pourrait ouvrir la voie j'haïs ce mot-là, exacerbation des antagonismes de classe et à la radicalisation politique des syndiqués de la base. Leur organisation politique pour une réappropriation du contrôle de leurs syndicats contre la vieille garde péquiste est essentielle pour remettre à l'ordre du jour la construction d'un véhicule politique autonome de la classe travailleuse. Ce qui complète notre texte aujourd'hui, nous sommes à la page 20. Donc, ça fait 1 heure que je lis. Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Et écoutez, je suis capable de faire ce stream-là à chaque jour. C'est quelque chose que je fais de bien dans ma journée productive, dans ma productivité dans le fond. Donc, on se revoit demain. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.